S'ils avaient été juifs, ça aurait été ta faute, Marcel. C'est ta faute. Alors, attends. Il va passer bientôt le quart. C'est dimanche, hein, c'est pas très régulier. Mais bon, peut-être, hein, c'est pas sûr. Ça aussi, c'est de ma faute. Vous allez où? Par là. Vous voulez un pruneau? Non, merci. Vous voulez un pruneau? Vous faites de la peinture? Oui. Et quel genre de peinture vous faites? Des paysages, pour les hôtels. Pour les hôtels chics? Non, plutôt pour les hôtels pas chers. Vous voulez un pruneau? Moi, je veux bien. Il a personne, le potiron? Ça mange du potiron, un lapin? Ça dépend du lapin. Si c'est un nain renard, oui. Mais le rex, le polonais ou le satin, non. C'est un nain? Hein? Il pèse combien? Je sais pas, mais pas très lourd. Il est marron ou blanc? Marron. Poil court, poil long? Dru, lisse? Tête bombée, tête plate? Couleur des oreilles? Odeur des pattes? Allô, Jeanne? Oui, c'est moi. Écoute, c'est plus... Allô? Oui. Oui, non, c'est plus la peine d'appeler. J'ai entendu aucun de tes messages. Mais je t'ai déjà dit tout ça. Je t'ai déjà dit pourquoi. Mais non. Non, ça veut pas dire que j'efface 17 ans d'amour avec toi. Écoute, si elle est loin de tout ça, je me ferai une raison. Mais s'il y a des doutes, je veux être là.
C'est quoi votre tableau ? Je l'ai appelé Femme nue sur un rocher. Le rocher est suggéré. Ah oui. Non, très bien. Ouais, j'aime bien. Pas mal. On dirait un Picasso. Mmh. C'est sublime. Merci. Mais elle sourit ou elle est triste ? Eh bien, là, vous avez les deux côtés. Le côté clair et obscur, n'est-ce pas ? Et j'ai voulu mettre en évidence le côté obscur qui va avec le sourire et le côté clair qui montre la tristesse. C'est le double visage de la femme, l'intérieur et l'extérieur. Moi, j'aime beaucoup la suggestion du rocher. Oui. Oui, et puis c'est... ses mains liées aussi, bien sûr. Ah, j'avais pas vu. Ouais. Oui, le poids. Je comprends mieux, là. Ouais. D'accord. Bon.